to your favorite modern world. Si vous aimez les baleines, j'ai un truc pour vous, une sorte de cybercachalot nageant dans un ciel jaune au-dessus d'un monde rouge. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de deux albums d'un groupe obscur munichois, The Ancestry Program. Lorsque j'ai écouté Of Silence Mammalia Part 2, j'ai aussitôt voulu découvrir la première partie Mysticity Ambassadors Part 1. Pourquoi un tel enthousiasme? Sans doute parce que The Ancestry Program rassemble le meilleur de Transatlantique, UPF et Pink Floyd sous la même bannière. Oui, la barre est haute aujourd'hui, même très haute. La voix du chanteur me fait penser à celle de Mark Tuarek et à Ian Anderson. La forme musicale ressemble souvent à celle de The Neil Morse Band et de Transatlantique. Certains instruments rappellent la diversité de UPF et les guitares se font parfois gilmouriennes. Mais je suis certain que vous trouverez d'autres ressemblances comme dans ce titre Country qui termine le second opus. Et tout ça est parfaitement exécuté par 5 artistes et quelques invités. Vous embarquez pour un voyage de plus de 2h15, mais vous n'êtes pas forcé d'écouter tout d'une seule traite. Après tout, il s'agit de 2 albums, même si stylistiquement parlant, le groupe navigue dans les mêmes eaux peuplées de cétacés. Les 2 albums résonnent de claviers vintage, de saxophones, de clarinettes, de trompettes, de violons, de violoncelles, de steel guitare, de fretless bass, sans parler des instruments propres à un groupe de rock progressif. Tout cela pour dire que la musique de The Ancestry Program est d'une très grande richesse et que l'on ne s'ennuie pas une seconde pendant plus de 2 heures. Le premier opus est constitué de plusieurs titres fleuves dont l'épique Dark to Overcome qui dépasse les 17 minutes et contient un passage bien déjanté, alors que la seconde partie propose 10 morceaux de 2 à 8 minutes. J'ai l'impression que le deuxième album, peut-être parce que ces pièces sont plus nombreuses et plus brèves, propose nettement plus d'ambiance musicale, comme dans Create Our Sins. The Ancestry Program est comme un gros roman de 1000 pages dans lesquels il ne se passe au final pas grand-chose. 2 albums très contemplatifs où la musique ne joue pas de rebondissements ni d'éclats et qui cependant m'ont vraiment bien accroché. De là à le classer dans la liste des albums de l'année, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, même si j'aime beaucoup les 2 disques. Tout d'abord parce qu'il y a 2 albums dont un qui date de 2021. D'autre part, parce que la musique de The Ancestry Program n'est pas non plus révolutionnaire. Ceci dit, j'adore leur musique. Elle est disponible sur Bandcamp et maintenant que je connais par cœur leurs 2 derniers opus, je vais découvrir leur tout premier bébé intitulé Tomorrow. Où je pense qu'avec tout ça, vous avez largement de quoi occuper votre semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle découverte. Bisous !